elle m'a dit moi aussi. D'accord. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est mardi, on va amener Lucas à l'école. Et oui, les enfants ils sont en train de se préparer. Ma soeur a essayé de mettre ses chaussures. C'est super, comme une grande Lily. Et en plus c'est à l'endroit. Eh, hey, bravo. C'est bon? T'es une championne? Oh, Lily elle vient de se faire mal. C'est les fesses de la Barbie. On va les manger. Les fesses de la Barbie, elles t'ont fait mal. Oh là là, elles sont pas cool, hein. Comme ça. Là, ça. Ça. Oh. Ça. Bah, les fesses, oui. Et bah, les fesses de la Barbie, elles ont fait mal à Lily. Là. Là. Tu t'es pris le doigt dedans? Tu t'es pincé le doigt entre ses fesses et sa jambe? Oui. Oh là là, faut faire attention, c'est dangereux une Barbie, ça. Hein. Ça. Oui. Bouh la Barbie! Bouh la Barbie! Méchante Barbie, pas gentille! Elle met au dodo. Elle va faire un petit dodo. Attends, maman. Après, papa! Non, papa, il est parti à l'éduquer à l'école. Mais après. Tu le verras ce soir, papa, quand il rentrera du boulot. D'accord? Tu fais des câlins? T'es gentil. Maman, elle va aller se laver. La tutu, elle fait un câlin à maman. Oui. T'es mignonne. Et là, tu la manges. Et là, tu la manges? Oui. D'accord. Toi, tu vas faire dodo? Maman, elle va aller se laver les cheveux parce que là, c'est critique. C'est critique. À tout à l'heure. La brosse. Bonne sieste. Bonne sieste, Lily. On dit bonne sieste? Non, tu me pousses. Allez, à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve maintenant, je suis dans ma salle de bain, je vais aller me doucher. Parce que là les cheveux c'est pas ça. C'était pour vous faire voir en fait avant de, que je l'utilise, j'ai pas encore mis l'eau. C'est ma petite mixture en fait pour me laver les cheveux. En ce moment je suis en train de tester de me laver les cheveux avec de la farine de pois chiche. Donc je mets pour ma longueur, je mets 2 cuillères à soupe de farine de pois chiche, 1 cuillère à soupe de sirop d'agave et je rajoute quand je suis dans la douche un tout petit peu d'eau tiède. Je touille avec ma petite cuillère et après je me l'applique. J'avoue que c'est pas non plus évident à appliquer, faut avoir les cheveux bien mouillés. Ça mousse pas, ça sent pas spécialement bon, on a l'impression de se mettre une espèce d'omelette, enfin même pas une omelette mais un truc bizarre sur la tête. Mais je trouve que mes boucles sont mieux définies avec et mes cheveux régressent moins. Ça c'est un produit que j'ai depuis un petit moment, il est quasiment vide là. Bon il est tout sale parce qu'il est dans ma douche donc forcément. C'est un gommage au marc de café et à la coco, c'est Hello Body la marque, j'avais un code promo d'ailleurs. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça ne veut pas focusser sur moi, ça focus sur le truc, voilà c'est bon. Et il fonctionne très bien. Le seul bémol que j'ai remarqué à force de l'utiliser, c'est que ça a un petit peu de tendance à boucher mes canalisations. Donc Rémi n'était pas spécialement content, mais bon, à part ça, il fonctionne bien. J'ai pas vu d'effet par contre sur la cellulite. Bon, en même temps je n'ai pas des masses, mais j'ai pas vu d'effet sur ça. Et après ouais, il fonctionne bien, c'est juste que bah, en général je me lave, je l'applique en premier, je fais tout ce que j'ai à faire après mes cheveux et compagnie, parce qu'il faut attendre un petit peu pour le poser, donc c'est un petit peu embêtant on va dire. Mais sinon il est bien et l'odeur elle est top et quand on sort de la douche on n'a pas besoin de se tartiner de crème. Avec ça on est déjà hydraté, enfin hydraté, nourri on va dire. Sur ce je vous laisse, je vais me laver. Ouh, Lily vient de se réveiller, elle va monter je pense. Moi je suis en train de batailler, voilà j'ai mis à la tête. Je suis en train de batailler avec mon fer à lisser qui est une pure crotte pour rester poli. D'ailleurs je vous le déconseille, c'est un trendy lisse, je sais plus quel modèle c'est mais c'est de la crotte, voilà. J'essaye parce que j'essaye de pas les lisser, donc j'essaye, oui pas logique la fille elle se dit je vais arrêter de les lisser mais je vais les friser. Enfin bref, donc j'essaye depuis tout à l'heure de me, du coup ce qui explique la choucroute là, j'essaye de me faire des espèces de boucles parce que je viens de laver mes cheveux et ça me gonfle, j'ai pas de boucles. Donc là j'ai essayé, je sais pas si vous allez voir, j'ai essayé de faire un semblant, je ne sais pas ce que ça donne, je me rends pas vraiment compte. J'aime bien celle-là. Je sais pas si vous allez voir. Là, là. Voilà, j'ai réussi à faire l'ondulation comme je veux. Nickel et tout.
je fais la même chose de ce côté et j'ai ça comme résultat. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Donc dites-moi en commentaire si vous avez une technique pour faire les boucles, parce que j'y arrive d'un côté mais je n'y arrive pas de l'autre. Donc là il y a un truc qui ne va pas. À moins que ce soit ce fer qui soit vraiment en train de rendre l'âme et qui commence à me gonfler. Ou sinon je sais pas, si vous avez un fer à friser à me conseiller. Parce que pour mon anniversaire je pensais demander comme cadeau un GHD mais lisseur, pour essayer de faire les deux. Mais je sais pas, parce que vu le prix, je vais pas demander lisseur et boucleur. Je galère à faire des boucles avec un lisseur. Je suis pas. Personne n'est parfait, que voulez-vous. Donc voilà, si vous avez des lisseurs à me conseiller, des boucleurs à me conseiller, même si je sais que c'est mal pour les cheveux, c'est pas bien, et patati patata. Je sais, simplement j'ai une choucroute sinon qui n'est pas sortable, donc je suis obligée de me coiffer un minimum. Et c'est le cercle vicieux parce que j'ai les cheveux qui sont pourris, donc du coup je suis obligée de faire quelque chose. Et si je ne fais pas quelque chose, ce n'est pas sortable, ou j'en ai marre de ne pas être coiffée. En fait, comme bah, les jours d'avant où je ne me suis pas lissé les cheveux, mais je trouvais que c'était moche. Ça se voyait que c'était pas coiffé. Donc j'aimerais bien trouver une solution. Donc et bah, si vous en avez une, bah, dites-le moi, parce que j'en ai marre. Voilà, le mini coup de gueule est fini. Coucou, on se retrouve maintenant. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai reçu hier au courrier en cadeau de la part de la personne qui a écrit le livre. Donc déjà d'une, je voulais commencer par remercier Rabia Combé si tu passes par là. Je ne sais pas si tu regardes mes vlogs, parce que je ne sais pas par quel canal, entre guillemets, on va dire, tu as eu mon adresse et comment tu as pu me connaître, entre guillemets, oui, pour pouvoir m'envoyer ce livre. Merci, merci, merci du fond du cœur. C'est peut-être un petit bouquin, mais j'étais tellement heureuse quand je l'ai eu hier. Je l'ai ouvert et dans la voiture en allant chercher Lucas quand j'attendais. Et j'étais hystérique, quoi, vraiment. Super contente. C'est un livre sur 60 desserts vegan Esli. Je sais pas si ça se dit comme ça, je parle très mal anglais. Hein Rémi, si tu passes par là, tu sais de quoi je parle. Donc oui, merci, merci, merci beaucoup. Ce livre est franchement dingue, il est sublime. Les recettes, j'ai commencé à les feuilleter hier en vitesse, mais j'ai pas eu le temps d'encore en faire une. Hein. Je l'ai eu hier soir. Pas trop m'en demander. Hein. Donc j'ai regardé, mais il y a des recettes. Je vais les adapter moi parce que il y a pas de. C'est des recettes avec du gluten, mais il y a moyen d'adapter. Quand on cuisine sans gluten, il y a moyen d'adapter. Ah ma louloute. À moi. Oui, Lily est en train de jouer avec un dinosaure. Et donc oui, je vais essayer les madeleines à l'orange, je pense. Les photos sont dingues, quoi. Je vous fais juste voir en vitesse parce que je veux pas spoiler non plus le livre, sachant que j'ai été vérifiée, il sort le 26. Là, je suis en train de tourner ce vlog, on est le 24. Ouais, c'est ça, on est le 24, donc vous le verrez le 25, comme c'est toujours le lendemain. Et oui, il y a des recettes qui sont mais super belles, quoi. Comme celle-ci, par exemple, les madeleines à l'orange, je vais tester, je pense. Alors attendez, je regarde, voilà. Voilà les madeleines à l'orange, donc ça c'était un petit marque-page qu'il y a eu dedans. Donc voilà, il y a les madeleines à l'orange, il y a plein d'autres petits trucs, il y a des croissants, des gaufres, des brioches. Alors ça je sais qu'il y a une maman qui va être contente parce que la brioche en fait, elle m'avait prêté, j'ai une maman de l'école qui m'avait prêté. Donc si tu passes par là Fred d'ailleurs, merci, parce que je pense que du coup je vais acheter les deux autres. Qui m'avait prêté je me souviens plus du titre. Il y en a un, c'est les desserts sans lait. Je crois que c'est les desserts sans lait. C'est sans lait, sans une recette saine et gourmande. Et l'autre, je sais plus le nom par contre. Je sais pas s'il y a un index avec les autres livres de l'auteur. Je me souviens plus du titre comme ça, mais c'était un autre livre qui était super bien aussi. Et du coup ouais, je pense que je vais acheter les autres. Et enfin voilà, tout ce blabla pour dire merci du fond du cœur à Rabia, parce que je m'y attendais pas du tout. Je sais pas si c'est directement Rabia qui me l'a envoyé ou si c'était l'éditeur. Je sais pas comment on a réussi à avoir mon adresse non plus, mais j'étais super heureuse. Merci, merci, merci du fond du cœur. Je vais en faire très très bon usage. Je vais tester tout ça et je vais l'adapter le plus possible pour que mes enfants puissent déguster ces petites recettes. Voilà voilà, et je pense qu'il fera partie. Je dois faire prochainement une deuxième vidéo sur mes livres de cuisine préférés, mes parties dessert, parce que j'en ai deux autres aussi
il y a du lourd. Et là, j'ai pas testé les recettes, mais je peux vous dire que franchement, c'est pareil, il y a du lourd. Il y a la tarte aux pommes aussi qui m'a l'air d'être... je pense que ça, je la ferai pour Rémi, elle a l'air d'être très très appétissante. La petite tarte aux pommes, les photos... j'adore les livres. Lily est en train de jouer avec son dinosaure, tout va bien. Hein, mademoiselle? Il mange? Oui. Ah là là. Il est en train de manger le doigt. Donc oui, je vais essayer de... Je vais essayer de faire vite des recettes. Parce que... Et les photos, oui, je suis en train de vous dire. Il est en train de manger. Faut pas tout casser, hein. Non, tu vas casser les trucs, Lily. Elle va me casser le dinosaure de son frère, elle va être contente, tiens. Lily! Non, non, il faut lui enlever ça, là. Il va s'étouffer, le dino. Voilà. Hop. Donc oui, du coup... tout ça pour dire encore une fois merci, merci, merci. Je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait 4 minutes que j'en parle. Donc bon. Il est en train de goûter avec sa soeur là-bas. Moi j'ai le colis. J'ai reçu le colis parce que les croquettes des chats et de Jules, je les commande sur internet. C'est sur Zooplus. Voilà. Sur Zooplus. Et donc, du coup, je viens de recevoir le colis. Ça dépend des fois. Des fois, c'est quand même assez rapide. Des fois, ça met du temps. Là, je les ai commandés dimanche soir. Oui, c'est ça. Quand je dis dimanche soir, moi c'est quasiment à minuit, hein. C'est dimanche soir. Hein. Et je les ai eus aujourd'hui, je pensais normalement quand je commande le dimanche soir, je les ai le mercredi, jeudi. Donc du coup, j'ai eu ça, ça c'était pas dans ma commande, hein. Je l'ai eu en plus. Donc, je sais pas, on verra ce que ça donne. J'ai eu après sinon les croquettes. Donc ça c'est les croquettes que je leur prends, Loulou. Et ensuite c'est la litière. C'est la best cats best Oco plus, c'est celle-là là. Je l'aime bien. Et ouais, je l'aime bien, c'est une bonne il l'aime bien et je l'aime bien. Voilà, et sinon Rémi est un amour. Je vous avais parlé de, dans mon dernier dans mon haul que j'ai fait, d'ailleurs je vous mettrai le lien ici en bas, en haut là, si ça veut bien faire le focus sur moi et pas sur la télé derrière, voilà. Donc Rémi est un amour, il est passé à Ikea, il a repris des cintres pour les enfants, voilà, c'est vraiment un amour, et, parce qu'il savait très bien que moi je devais y aller, et avec Lily, c'est pas évident on va dire d'aller faire Ikea avec elle. Non, je vais aller faire ma petite soupe. Cette coiffure, mais c'est une catastrophe quoi. Ce côté c'est bon, mais ce côté je n'ai pas réussi à les lisser. En fait je voudrais des boucles comme ça. Bon, j'ai des boucles naturelles mais on n'est jamais content de ce qu'on a, donc ça me convient pas. Là ça ira mieux, j'ai plus la lumière dans la... Voilà. Et donc oui, je voudrais des boucles mais pas comme ça. Du coup je les ai attachées parce que ça ne va pas. Mais là comme ils n'ont pas été bouclés, j'ai essayé de les boucler mais ça les a lissés. Enfin lissés. Semblant de lisser, hein. Si on peut dire ça comme ça. Allez, je vais aller faire ma petite soupe moi. We can be true. I want you to see what I see in us. Something so real. Something so real. I want you to see that this is a love. Et ben voilà. J'ai encore les œufs qui pleurent, c'est une catastrophe. Voilà, les oignons, c'est pas mes amis. Ah, Lily, je m'étais maquillée. Ah mais ça pique trop, je vous laisse. Je viens de faire la pâte pour les madeleines. C'est la recette qui vient... C'est cette recette, je l'ai un peu adaptée parce que mes oranges, elles ont une sale tête, je vais pas mettre du zeste. Et pour rappel, c'est ce livre. C'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà.
Donc on va tester. Moi à la place j'ai pas mis c'était 100. Il fallait mettre normalement 160 grammes de farine d'épeautre, mais moi pour les enfants je ne peux pas mettre de la farine d'épeautre parce que ça contient du gluten. Oh si je peux. Donc du coup j'ai remplacé par 150 grammes de farine de riz et 30 grammes plutôt de farine de pois chiche. Je sais, j'en ai mis un chouïa plus et j'ai pas mis du lait d'avoine. Je crois que c'était du lait d'avoine dans la recette aussi. C'est ça. Moi j'ai mis du lait d'amande parce que pareil, le lait d'avoine, et ben mes enfants ils peuvent pas. Donc je vais aller le mettre au frais, après je m'en occuperai et voilà. This ain't the same. This ain't the same. They say love heals all. It makes it all alright. Oui, bah moi ici. Et il est fort. Moi j'aime bien les bêtises à mes gosses. Mes enfants. Mes gosses. Mes enfants. Mes gosses. Mes enfants. T'as toujours pas gonflé les matelas derrière. Par contre, toi tu m'as bien gonflé avec ça. Ouais, mais ils sont toujours pas gonflés. Tiens. Tu veux me gonfler un peu plus? Tiens. Remarque, t'as pas besoin de ça, toi. Papa, c'est toi qui les gonfleras après. Pépicace, il dit Pépicace. Moi je reste avec Lily, c'est la seule qui est gentille avec moi. Oh ça va, on rigole. T'avais volé. Rémi il est en train de gonfler le matelas papa. De Lucas. Oui papa. Et moi tu prends ton argent, tu prends les chaussures, mais quoi, je fais ce que je peux. Allez, papa. Allez, papa. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ça devrait déjà être gonflé. Ouh là là. Toi, t'aurais fini depuis longtemps. Oui. T'es doué pour tout. Lolila. Oui. Après quoi? Tu n'as rien compris. Après le tien. Après Lily, c'est ça? Oui. D'accord. Peut-être. Donc Lily, ce soir, elle veut faire dodo. Là, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Hein, je ne sais pas du tout. Oui. Bah du coup, maman, elle peut pas s'allonger dedans. Hein. Oui. Un grand. Ouais. Tu vas comme ou vous voyez du tout? Et maman, un coup grand. Eh oui. Un coup grand. Baisse-toi. Baisse-toi dedans. Voilà, c'est comme ça qu'on se met. Si, t'as la tête qui sort, faut te baisser. Sinon, tu vas dans ton lit. Tu te baisses. Comme ça, voilà. J'ai pas le droit à mon bisou? J'ai pas le droit à mon bisou? Oui. Demain. Allez. Allez. Bisous. À demain. Ça souffle sur le côté, mais c'est pas grave. On dit à demain. Tout bien. Bye. Bye. Au revoir. Oui, il va faire un petit dodo aussi. Par contre, tes lunettes, on va les enlever de là parce que tu vas te faire mal. Enfin, tu vas les casser. On va les mettre là. Je me mets là. Ouais, la ribambelle de doudou. Hop là. Ribambelle de doudou. La ribambelle. Ça y est, voilà, faut que tu te baisses par contre parce que t'es trop haut. Comme moi j'aime bien quand je suis comme ça. Ouais, mais non, tu vas avoir peut-être qui va tomber quand tu vas faire dodo. Voilà. Allez, un bisou. Manu, c'est rigolo aujourd'hui. C'est rigolo, ouais, mais c'est juste pour tester. Hein. Si déjà vous arrivez à dormir dedans, parce que bon. Si après chez mamie vous faites le cirque quand vous allez dormir tous les deux là-dedans, ça peut pas être facile pour mamie. Ma soeur va sûrement se réveiller. Chez mamie elle est pas encore allée dormir. Non, elle a jamais été dormir encore chez mamie. Ça sera un test. Mais c'est pas pour tout de suite, mais bon. Du coup on en a pris deux. À demain mon loulou. À demain. Attends. À demain. D'abord bonne on nuit. Fait voir notre bisou. Allez, on va voir les bisous. Oh tu m'as fait une toi. Je sens que papa et maman vont pas bien dormir cette nuit. Mais si. Tu vas faire dodo, hein? Et si tu dors pas bien, tu vas te mettre dans ton lit, ok? Ma sœur, c'est pareil. Voilà. Allez. Et demain matin, on fera le bilan. Tu nous diras si t'as bien dormi. Ok.
Bonne nuit. À demain. À demain. À demain.